Alors, tu vas voir. Bonjour, bonsoir, ici. Ah, je le tiens presque. Tu le tiens presque. Bon, bah, let's go. Bonjour, bonsoir à tous! Oh, dites donc, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir! Regardez donc qui c'est qui est là! Bah, c'est Projectile, encore et toujours! Lien dans la description, même s'il a plus d'abonnés que moi, ce temps. Oui, alors t'as plus d'abonnés que moi avec 10 vidéos, je rappelle! Moi j'en suis à 200! Bon, on n'est pas très actifs ces derniers temps, mais ça reviendra! Ça reviendra! Toi, tu. Oui, je carbure, je carbure. Attendez, il faut dire, c'est pas la même qualité, vous avez. Dingo, et puis vous faites des recherches, et puis vous évitez de dire des conneries aussi. Mais vous avez vu un peu ? C'est vrai que c'est pas tellement le genre de la maison. Vous avez vu un peu ? Je vous avais dit que je le ferais revenir. Il est là. Ce que l'avenir vous promet, le fun fournit vous la porte. Aujourd'hui, mesdames et mesdames, le car 98 en Z. Car 98 AZ. Alors, non, c'est pas un 98K. Jean Boomer, range ce commentaire. Ce n'est pas un 98K. C'est, si vous voulez, la version proto du 98K. C'est quand même de série, hein, bien entendu. C'est en 857 IS. Mon cher assistant. Voilà, c'est ça, le 857 IS. Qui est le calibre du Gewehr 98, du K98K, du Gewehr 88. Alors, vous allez me dire... Qu'est-ce que c'est AZ ? Moi, je ne l'ai pas dit. Non, toi, tu l'as dit. Moi, j'ai demandé ce que c'était, ces cartouches avec des balles roses, quoi. Oui, aussi. Ça, c'est une petite surprise. C'est plus frappant que AZ, quoi. Oui, c'est vrai que c'est plus frappant, mais c'est... Sur les murs, j'écris ton nom, Liberté, non ? Ah oui, Liberté. J'aurais pu dire Choupinet, mais... C'est pas un feutre, déjà, donc ? Non, c'est pas un feutre, c'est pas une craie, c'est pas... Oui, non. Donc, on va vraiment tirer ça ? Oui, on va vraiment tirer ça. Ok. Mais c'est une surprise. Pardon, c'est une surprise. Donc, tu vas me demander, petit Jean-Mimi, pourquoi AZ ? Pourquoi je ne l'appelle pas 98A ? Ouais, parce que ça ne va pas. Pourquoi AZ ? Pourquoi pas 98A ? Formidable ! Ah, c'est le doublage, hein. Tu devrais faire mes voix off. Les cours Florent, j'ai fait les cours Florent. Les cours Florent ? C'est mon voisin Florent. D'accord. On m'a appris deux, trois trucs. T'as fait des cours avec Florent, ok. C'était gratuit. C'est heureusement. Heureusement, sinon ça aurait été un escroc. Pourquoi je ne l'appelle pas le 98Z ? Parce que ça n'est pas un. Pourquoi ? Pourquoi je l'appelle pas le 98? Ah, parce que ça n'est pas. Qui nous brûle les lèvres. Tout à fait. Ça se voit que ça te brûle les lèvres. Oui. Rien à foutre. Je vais me servir pour une fois de mon cher guest et assistant. On l'a refait, parce que c'est de l'autre côté. Le A, ça veut dire Auf Plans vor Richtung. D'accord, et c'est. Google. C'est écrit avant. Carabine 98 mit Auf Plans vor Richtung. Ja. Yeah. Tout à fait. Parce donc que le dispositif de fixation, c'est ça ? Tout à fait, voilà. Ah, c'est ça, les parenthèses. Donc, Vorsicht, truc machin, ça veut dire dispositif de fixation. En fait, c'est le tenon de baïonnette. À la base, ce truc-là n'existait pas. Ce sont les artilleurs qui ont demandé à ce que, y ait une baïonnette, parce que je ne sais pas pourquoi un artilleur, ça a besoin de baïonnette, visiblement. Donc, un aussi grand mot pour une aussi petite pièce. Exactement. Okay. C'est tout pour faire chier. Tout pour faire chier, c'est allemand. Et le Z, mon cher ami. Le Z veut dire Zusammensetzvorrichtung. Voilà, Zusammen, truc machin. C'est ça, c'est le quillon. Ensemble. Oui. Et Vorrichtung. Rassembler, je suppose. Je sais pas. Parce que, en fait, c'est ce quillon et c'est fait pour rassembler les fusils en faisceau de 3, de 5, de 8, de 12, de 24 si vous êtes gourmand. Voilà, pourquoi AZ ? C'est avec ça et avec ça. Il y a des versions A. Donc, qui n'existe pas avec l'une ou l'autre des pièces, et il y a des versions Z, pareil, qui n'existent pas sans l'une ou l'autre des pièces. Qui existent sans l'une ou l'autre des pièces plutôt, parce que ça veut absolument rien dire. Moi, j'écoute pas. C'est pas grave. Donc, on va mettre des bastos et on va tirer. Alors, nous allons tester deux types de choses aujourd'hui. Nous allons donc tester des 857 IS, tout à fait classique, ça vous connaissez. Mais nous allons tester ceci. J'ai sorti ça de ma collection. J'en avais deux à perdre. Ce sont des
des je sais plus quoi, des Platzpatron, voilà. Donc ce sont des balles d'entraînement avec des balles en bois. Et on m'a dit, il paraît que pour des balles en bois, bah, ça kick quand même un peu. Donc oui, alors là, tu vas décéder, je crois. Donc on va tester ça. Et si ça part pas, je vais pleurer. Allez, c'est parti. Putain ! Ah oui, non mais ça tape, oh ! Celle-là ? Ah mais c'est incroyable ! Ça n'a pas eu l'air de bouger, vu de dehors. Alors non, ça n'a pas bougé, il n'y a pas beaucoup de recul. Mais je m'attendais à... Ah, boum ! Ah putain ! Ah non mais attends, vas-y, essaie. Alors toi, c'est la première fois que tu testes un Mother. Exactement. Alors non. Waouh ! T'as beaucoup de chance que ça soit passé. T'as vraiment beaucoup de chance que ça soit passé. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Alors, petite, chose. Tu l'as. En fait, tu vois, l'extracteur est tellement épais que théoriquement, il n'est même pas censé pouvoir passer au-dessus d'une cartouche. D'ailleurs, je vois pas comment il a fait. c'est un miracle absolu. Oui, là, t'as réussi un truc théoriquement impossible. Oh la vache ! Alors, le cran de mire dans la hausse, il est tellement fin. Ah oui, oui, non, ça c'est sûr. Et prends visuel haut, parce que moi, j'ai pas touché, j'étais point visé, point touché, donc... Eh non mais sans rire, tu vas pas me dire que t'as envie de te mettre en face et de t'en prendre une. Bah ça fait du bruit mais ça bouge comme une 22 quoi. Oui oui ça bouge comme une 22 mais tu vois bien que l'impact est quand même... déconne pas trop quoi. Mais ça c'était des cartouches vraiment d'époque. Oui 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 c'était des cartouches d'époque que oui 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 j'ai tiré parce que j'en ai littéralement rien pété et je sens que ça va râler. Mais après, comprenez que moi, des cartouches comme ça, j'en ai 20 kilos, donc bon, ça me donne valeur de moment. Et puis c'est pour la science, commencez pas à me faire chier. Mais j'ai pas touché en fait. Non, moi non plus. Bon, ça me rassure. Écoute, c'est voilà, c'est... Non, c'est bon. Parce que ça se trouve, elles étaient carrément pas sorties. Ça aurait été un peu dangereux. Un peu. D'où le fait que j'ai vérifié. C'est là qu'on reconnaît l'armurier. Oui, 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 c'est là où on reconnaît pas le suicidaire, surtout. Bon, allez, c'est reparti pour 4 coups de 8,57 IS, cette fois classique, car 98 AZ. Let's go. Wow, magnifique long feu. Je vais aller en mettre la cible, puisqu'elle est tombée au premier coup, cette fois, décidément. Ça se trouve, j'ai tiré dans le... Dans la caméra. Non, mais dans le... Dans la merde. Non, pas dans la merde. Dans le... Non, j'allais dire dans le... Dans l'agrafe. Je reviens, je vais chercher les agrafes. Chers amis, je suis appelé par mes fonctions extrêmement importantes. Je reviens, je vous laisse avec Projectile qui va pouvoir animer la chaîne à ma place, bravo. Je me suis un peu fernaclé, moi. Un peu, légèrement. Un petit peu. À tout de suite. Bon, alors qu'est-ce que ça donne? On va essayer, hein. Bon, déjà, c'est pas plus lourd que mon G11, même si c'est plus petit, ça kiff. Bon, ça tape un peu. Ça tape un peu, mais c'est largement gérable. Pourtant, la plaque de couche est métallique, mais ça va. Alors, Adrien m'a vendu la fluidité de cette culasse. C'est pas mal, simplement à l'ouverture des fois ou à la fermeture, il y a un petit point un peu dur, mais ça va. C'est pour une arme qui a cet âge-là. D'ailleurs, je sais pas quel âge elle a, on lui demandera. Mais c'est vrai que c'est pas mal. J'arrive vraiment pas à choper le guidon. C'est incroyable comme c'est tout serré, tout fin. Et vraiment, le cran de mire sur la hausse, il est minuscule. Minuscule, hein. Belle étincelle. Si, c'est une fois que t'as chopé le mouvement, ça va bien. Ouais, si tu pousses, en fait, à ce moment-là, quand t'arrives là, si t'essaies de le rabattre, ça va pas, mais si tu pousses en avant, tac, ça va tout seul. L'ouverture est super cool. Si, il a raison. Il sait un peu de quoi il parle quand même, le garçon. Mais vraiment, ce guidon-là, cette hausse, je m'y fais pas. Hein. En fait, si vous voulez, je vois... le reflet du bord de la tranche. Ouais, c'est sympa.
La détente est sympa. Un peu lourde, je pensais que ça partirait plus facilement, mais sympa. Ça gratte pas, c'est propre. Voilà. 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 C'est pas dégueulasse. Tire-toi, je suis là. J'allais tirer la dernière, toi. T'arrives à point nommé. J'arrive à point nommé. T'es en train de critiquer ton flingue, puisqu'apparemment, tu l'aimes beaucoup. D'accord. Non, c'est bien. Ouais, en fait, ce que je disais, c'est qu'au moment... En fait, quand tu me l'as donné tout à l'heure, j'ai dû fermer la culasse. Mm-hmm. Si tu fais ça, ça ferme pas. Mais si tu pousses, on a l'air clair que ça, c'est oui. Vrai que ça va tout seul. C'est une Rolls-Royce, mais qui se respecte. Donc, ouais, c'est pas mal. Niveau tir, tout ça, c'est rigolo. Ouais. Je t'en prie, j'en ai encore trois. Mais oui, mais tout à fait. Et en plus, bon carton, mais tu es un garçon formidable. Pourtant, j'ai mal de chien à voir ce guidon. Hein. Franchement, c'est... Ça, pour le coup, je sais pas, c'est pas très confortable. Ah, parce que t'es habitué à en avoir une plus grosse, c'est normal. Une hausse, bien entendu. Oui. Raté. Ah non. Je dirais juste qu'elle est un peu plus légère sur mon Schmitt Rubin, mais c'est propre. Oui, c'est très propre. C'est propre. Alors, maintenant, le A7 par rapport au Car 98 ou au Gewehr 98 a des proportions légèrement plus réduites, en fait. À la base, ce modèle devait exister, en fait, devait être un Gewehr 98, aux mêmes proportions, mais juste raccourci au niveau d'un fusil 91 ou d'un Car 88, donc la version carabine du Gewehr 88. Et puis, en fait, ils se sont rendus compte que c'est pas ça. Et donc ils l'ont refait avec des proportions légèrement plus réduites qui seront quasiment celles du Car 98K. Niveau calibre, ça va, il te plaît? Ouais, franchement. C'est des cartouches qui sont extrêmement légères. Ouais, ça te quitte pas. J'allais dire, ça tape pas comme... Non. En gros, pour la vraie, tu multiplies ça par 1,5, 2. Pour la vraie, sous-entendu, pour faire la guerre, quoi. Ou pour faire la guerre à un marcassin. C'est... Ah oui, c'est... Aussi, oui. Ça. Oui, c'est un calibre de chasse très sympa. Allez, let's go! Oh yeah! Ouais, effectivement, je vois pas le guidon non plus, moi. Ah, merci. Ah, des étincelles, hein. C'est quoi, trop de poudre? Non, c'est des particules métalliques du pare-balles qui sont bons. Puisque c'est une masse inarrêtable qui rencontre un objet à une grande vitesse. Vache. Oui. Peut-être que j'ai pas lu en tirer. Et encore, c'est un jour je te ferai essayer le 375 Hollande et Hollande Magnum. Là, tu vas voir des étincelles. Là. Tant que je vois pas des étoiles. Alors je ramasse oui, les gens qui se posent la question. Ça fait extrêmement bizarre là, pardon. Parce que je suis quelqu'un de respectueux. Donc, mon cher. Je le ferai après. Oui, ça va finir par devenir tendancieux. Ils vont clipper et ça va partir partout sur YouTube. Ça va se lancer en polémique, ça va passer sur BFM. TF1. On va devoir aller sur France 5 se justifier. Les guntubeurs porno. Ça va être sale. Heureusement que notre amour nous permettra de... Que nous arrive-t-il? Bah rien. Rien. On tire des coups ensemble, ça va. Oui, exactement. Ça s'arrête là. Enchaînons. Bref, le Car 98 AZ, c'est un très très sympa flingue. Ça veut rien dire. Très très sympa flingue. C'est un très très sympa flingue, j'ai décidé, qui est la préfiguration, on va dire, de ce que sera l'armement allemand. Mais de façon définitive et totalement iconique, parce que le 98K. Sous Amen Forschlicht. Avec le Forschlicht. Voilà, Forschlicht. Tout à fait. En fait, c'est bien cette vidéo. Il y a très exactement 45 secondes de trucs intelligents et je passe 15 minutes de conneries. Le reste, c'est du fresh grenier. Oui, bah heureusement que t'es là. Hein. Bah attends. Oui, c'est vrai que les organes de visée sont un peu fins. Maintenant, comment vous dire, on voit beaucoup énormément A à Z, Z tout court, enfin Z je l'ai rarement vu, mais A et AZ, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a systématiquement ces deux noms? C'est la question qui brûle les lèvres du milieu de l'arme à feu depuis des années. Exactement. Et tu vas y répondre. Eh bien, je vais trancher. Tout le monde l'appelle A parce que dans l'armée impériale allemande sous Weimar et compagnie, on l'a appelé le A pour le différencier du B, qui est en fait une version du Gewehr 98, un peu modifié, etc., etc. Donc on l'appelait juste le A. Mais son vrai nom, c'est le AZ
ou le A s'il n'a pas le Z, donc le quillon, ou le Z s'il n'a pas le montage de baïonnette. Très honnêtement, les A et les Z sont extrêmement rares. Ouais. Non, parce que j'ai le chien à la maison. Là, oui, oui, bah, il est en train de gueuler, écoute, il mourra comme tout le monde. Hein. Donc bon, voilà, c'est un chouette flingue, c'est vrai que c'est un peu plus cher que la moyenne. Par contre, c'est confortable. C'est très confortable, je peux pas te dire, c'est très sympa, c'est la préfiguration de ce que sera l'armement allemand iconique de la Seconde Guerre mondiale, même bretelle, quasiment même monture, etc., etc., c'est super cool. Voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tout à fait, mon cher ami. Eh bien, écoutez, j'ai été très fier de vous présenter cette vidéo absolument faite à la pisse. Je pense qu'elle va être cataclysmique. Je suis même pas sûr que je vais la sortir. Mais bon, bref. On va tuer cet épisode parce qu'il est en train de souffrir, là. Bref, voilà. Je vous remercie tous. On se donne rendez-vous. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci. On se retrouve pour un prochain Motherland qui sera, a priori, pas sur un 98, mais ça viendra. Rassurez-vous, je ferai le 98K, un de ces quatre. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Allez donc voir l'ami projectile sur sa chaîne, même s'il n'en a pas trop besoin. Mais bref, allez quand même le voir, il y a 10 vidéos à voir, ça va, c'est court. Et puis c'est sur des jouets, donc c'est cool. Ouais, en plus c'est même pas sur des vraies armes, donc c'est bon, vous n'aurez pas trop à réfléchir tout rôle. Voilà, je vous dis à très bientôt, amusez-vous, mangez des légumes, buvez de l'eau, ciao. Ciao. Le bêtisier va faire 4 heures. Bah, t'auras un bêtisier plus long que la vidéo. Oui.